Je pense que les données qui ont été collectées, c'était beaucoup plus des données quantitatives, c'est-à-dire le nombre de latrines par ménage, le nombre d'écoles et centres de santé disciplinaires de latrines, mais aussi des données qualitatives. Des données qualitatives, c'est-à-dire l'existence de latrines, l'existence de sites de défécation ou non, la typologie des latrines, la maîtrise de la technique de lavage des mains, l'hygiène même des latrines et la disposition de dispositifs de lavage des mains. Parce que nous avons travaillé dans la région du Tonkoui, qui est la région qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on peut dire pratiquement à la frontière du Libéria. Avec l'outil, nous avons une base maintenant. Et à partir de cette base-là, nous pouvons faire le suivi au niveau de latrines et aussi comment maintenir ces villages-là, comment ces villages peuvent maintenir le statut de fin d'édification à l'année. Nous avons voulu qu'il y ait cette collecte de données pour mieux orienter nos interventions et pour constituer aussi une base de données fiable afin de justifier des plaidoyers en faveur de notre activité.